Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure suivie sur Rift. J'espère que vous allez bien, moi j'ai plutôt la forme. On est là avec notre Sir Okrad, comme d'habitude. Hop, je vais tout de suite remettre l'interface parce que je vois que j'ai reçu du courrier. Alors je vais regarder ce que c'est, à mon avis c'est des demandes d'invitation de guilde. Oh, j'ai même un cadeau. Oh là, mais c'est génial. Alors, message de recherche de guilde, la renégate. Puis-je faire partie de votre guilde? Évidemment. Ils doivent quitter leur guilde avant que vous puissiez les inviter à rejoindre la vôtre. Eh bien, quitte ta guilde et je pourrai t'inviter. Astrad, bonjour, je suis un ancien joueur de Rift, j'avais envie de reprendre en casu. Je suis tombé sur tes vidéos YouTube justement, tellement rare de croiser des vidéos FR de Rift. D'ailleurs, super vidéo. Donc voilà, si tu as encore une petite place dans ta guilde, à bientôt l'ami. Bien sûr que j'ai de la place. Eh ben, il a déjà reçu son invitation. Roro Best a dû passer par là. Donc je vais quand même lire les messages du coup, hein. Bonjour, je voudrais rejoindre votre guilde. Bon, c'est très basique. Je regarderai le cadeau en dernier, je garde le meilleur pour la fin. C'est moi, j'ai créé un autre perso car l'autre ne me plaisait pas. Bon, d'accord. Bonjour, je suis tout nouveau dans ce jeu et je recherche une guilde. Hop, voilà copain, c'est fait. Roro Best. D'accord. Bon, et le cadeau. Salut, il y a longtemps que je joue à Rift et ça me fait plaisir de te voir y jouer. Merci pour toutes les vidéos. Un peu de pépé, c'est ma façon de te remercier. Wouh! 200 platines! Eh bien, merci, merci beaucoup à toi, Wolf Team, c'est énorme. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même, le mec vient de me filer 200... Le mec ou la meuf, je ne sais pas d'ailleurs, vient de me filer 200 platines, ce qui me pousse le compte à 366 pièces de platine. Ça, c'est beau. Franchement, c'est beau. Un grand merci à toi. Et sois-en sûr, ce sera utilisé à bon escient. Alors... On reprend tout de suite l'aventure, la petite parenthèse mise à part, en moins de 2 minutes en plus, et ça c'est beau. On a donc ici toutes nos quêtes à faire, donc on va placer un petit point, histoire de... Et on va s'y rendre tout de suite. Let's go! Et bah du coup, après, ouais, quand on aura fait tout ça, quand on aura fini, à mon avis, on va passer quand même dans un autre... dans un autre environnement, tout simplement. Donc là, on est dans les plaines arides. Vous voyez, c'est jusqu'au niveau 44. Je suis 44. Et les sables chatoyants, c'est 43, pardon, 50. Donc, à mon avis, il y a de grandes chances que ça se fasse. Et que après toutes ces quêtes qu'on a réalisées ici, on passe certainement dans les sables chatoyants. Voilà. En tout cas, le nom a l'air sympa. On verra si c'est si chatoyant que ça. Là, on va éviter un petit peu... Il y a une idole abyssale, mais un peu trop de monde peut-être pour moi. Je sais pas. Je vais tenter, mais si ça passe pas, on verra. On verra ce que ça peut faire. Attendez, je suis loin de mon point. Ouais, je suis quand même un peu loin. Ouais, il y a des vilains pas beaux partout quand même. Ça sent pas très bon. Je vais envoyer Pépère. Ouais, ils vont tous dessus. Ouais, ça pue. Hop. On va essayer de tuer le crasher machin là. Crasher de glace abyssale, ce serait cool. Maintenant, on peut s'occuper du berger abyssal. C'est marrant comme nom. Un berger abyssal, tu sais, c'est le truc absolument pas badass qui devient badass, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis berger. Ah, ça va, c'est sympa, ouais, le terroir, tout ça. Et là, par contre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis berger. Abyssal. Et là, bah, tout de suite, tu plaisantes plus avec le mec, quoi. Tu dis, ah ouais, berger abyssal, quand même, c'est chaud. C'est le truc qui est complètement... Oh, c'est sympa, le petit nom est cool. Allez, hop, ça c'est fait. Hop, on va se faire l'autre crasher de glace et après on se fera l'idole abyssale. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce que c'était la quête de guilde en ce moment, je vais regarder. On sait jamais. Alors, attendez, on va regarder ça. Je finis de me faire le crasher abyssal. Alors, attendez, guilde, quête, qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer sans faille rapportant de l'expérience, bah c'est bien. Bon, ça c'est pas une faille, c'est une idole, je sais pas si ça comptera, mais bon, dans l'absolu, on ne sait jamais. D'ailleurs, je vous encourage à faire les quêtes de guilde, hein. Plus on en fait, et plus la guilde devient forte. Donc tous ceux qui font partie de la guilde, n'hésitez pas. C'est toujours ça de prix. Hop, voilà. Ah, ça n'a pas compté, puisque ce n'est pas... C'est un avant-poste. Cela n'a rien à voir, tant pis. Tant pis, ça nous rapporte toujours un petit peu d'XP. Vous voyez qu'on n'est pas... Oups là. Pardon. On n'est pas très loin du niveau 45, hein, donc. Donc on commence à bien avancer, mine de rien, dans cette aventure. Ah.
Compagnon de Planarite, ça, bah, c'est bien ça. Compagnon en Planarite, pardon. Autant pour moi. Ouais, c'est par là. Donc vous voyez que petit à petit, on commence à bien monter. L'aventure prend tout son rythme. Hein. Un petit rythme de croisière plutôt sympathique. Un épisode tous les deux semaines à peu près. Bon, après, ça dépend. Des fois, c'est un peu moins souvent. Mais on avance bien. Je suis plutôt content. Parce qu'on a quand même bien avancé tout au long de ce let's play sur ce MMO. Hop, je sais pas s'il m'en manquait. Non, c'est bon. Alors, le vilain pas beau. Le frappeur à queue venimeuse. Et ça, c'est pas terrible. Donc ouais, on a bien avancé. Je suis plutôt satisfait pour l'instant du déroulement de cette aventure. Alors oui, c'est pas l'aventure la plus populaire de ma chaîne. Hein. Mais en même temps, ça se comprend. Rift est maintenant très peu mis en avant en France. Et donc je pense que j'ai ma petite importance à jouer là-dessus. Tout simplement. Et ça, c'est bien. Oui, parce que ouais, voilà, il n'y a plus personne qui s'y consacre réellement à Rift en France. Et c'est bien dommage, parce que le jeu a encore des qualités et peut vous apporter pas mal d'heures de jeu. Ça, c'est cool. Hop. Même si, bien sûr, c'est pas le MMO le plus frais du marché, etc. Mais il reste cool. Il reste sympa à jouer. Et puis là, la version 64 bits apporte quand même pas mal de nouveautés. Et ça, c'est génial. Voilà. Coucou, copain. Hop, on va se le faire, on va se l'achever, un petit sort abyssal. Voilà, phase terminée, je sais pas combien de phases il reste. Alors qu'est-ce que c'est ça? Encore des petits sorts? Donc, il y a bien beaucoup de petits sorts. Oula, ça j'aime pas par contre. Non, laissez-moi monsieur. Hop. Petit sort abyssal. Dégage de là, fous-moi la paix, t'es pas très gentil. Hi. Hop, petit combo. Et boum. Vous voyez que ça se passe bien, les quêtes et tout, en général, on n'a pas trop de misère, on n'a pas à se plaindre. Ah, il absorbe carrément, ça j'aime pas. Oh. 4, 5, et petit combo, voilà. Hey, y a du mal à mourir, hein. Oui, il résiste un petit peu plus, quand même. Un petit peu plus que d'habitude. Je sais pas si on arrivera à fermer cette faille tout seul. Mais, on va voir ça. Ne désespérons pas, les amis, ne désespérons pas. Voilà, hop. Allez mon grand, vas-y. Pendant que moi je bouge. Ah ouais, lui il m'envoie des trucs à distance et tout. Ah ça j'aime pas. Ah ça j'aime pas du tout. Lâche-moi. Parfait. Voilà, là on n'a plus qu'à se faire celui-là. Et on passera à la phase suivante. Je sais absolument pas combien il y en a. La surprise, j'espère qu'il n'y aura pas un élite à la fin ou quoi, parce que alors là ça risque d'être compliqué pour moi. En étant seul, ça risque d'être un peu chaud. Voilà. Alors qu'est-ce qui va apparaître? Ok. Voilà. Ce n'est pas un élite. Il est tout seul. Cool. Contrôleuse abyssale. Alors encore une fois un truc qui... qui est complètement pas badass à la base et qu'il devient grâce au abyssal derrière. On pourrait s'imaginer plein de métiers comme ça quand même. Hein. Fermier abyssal. qu'est-ce qu'il y a comme truc hein? Policier abyssal. Pompier abyssal. Ah ouais, ça, ça serait classe. Pompier abyssal. Ah. Ou alors, nettoyeur d'abyssal. C'est genre, voilà, c'est, bah, c'est teinturier quoi en gros. Non, pas teinturier. Si, c'est ça, teinturier. Qu'est-ce que je raconte? Teinturier abyssal. Ouais, vous imaginez, un nettoyeur d'abyssal, bah, c'est un nettoyeur de vêtements sales, en fait, des abyssales. Voilà, c'était mon jeu de mots, c'est tout pour moi, au revoir. N'importe quoi. Allez, hop, on envoie du sort.
Voilà. Un groupe. Ah ouais, là, je vais en avoir deux sur moi. Là, ça sent pas très bon, quand même. Ça, j'aime pas trop. Hop. Voilà, laisse-moi tranquille. Ah, ça sent pas bon, là. Ça va être compliqué. J'aurais pas dû me prendre au crasher en premier. Ah, voilà, ils sont tous sur mon... sur mon pet, ça c'est bon. C'est plutôt une bonne chose. Sinon, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Bon, par contre, ouais, je le ferai pas dans les temps, en niveau bonus. Ça, c'est clair et net. J'ai pas la force, tout simplement, en étant seul, de le faire dans les temps. Mais, bon. Ma foi, si on enferme la faille, ça fera déjà... Pour la quête de guild, bah, ça fera des points. C'est plutôt une bonne chose. Déjà ça de prix. Voilà. Et donc, on envoie Jean-Maurice sur le truc. Allez, laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Le tisseur abyssal, on le dégage. Voilà, et après, ils me foutent la paix. Et ils se mettent tous sur le pet. Et ça, c'est bon. C'est carrément même très très bon. Ah bah alors. Moi, ça me donne libre cours à mon truc, en fait, à mes sorts. Et je suis plus embêté. Parce que là, je prends très vite des dégâts, en fait. Hein. Je suis pas une classe qui résiste énormément. Allez. Bim. Le berger abyssal. On est plus très loin. Est-ce qu'il y a encore une phase après? Non! Faille scellée! Vous voyez, hop! Une faille de plus. Fermée pour la quête de guild. Voilà, c'est ça le bon esprit, les amis. Même si vous êtes niveau 5, vous pouvez fermer des failles qui rapportent de l'XP. Il suffit que la faille soit de votre niveau. Et vous pouvez donc aider la cause de la guild. Donc si vous en faites partie, n'hésitez pas. Hein. En tout cas... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Découvrir une entrée de la fourmilière. Ouais, elle est là. On va envoyer sur le soldat. Allez, laisse-moi tranquille, toi, déjà. Voilà, allez, sur l'autre. On a découvert l'entrée. À mon avis, on n'a pas fini avec ces fourmis. On va entrer là-dedans. Ouvrier, ça je m'en fous. Là, il y en a une pas belle. Soldat. Oh, c'est quoi ça? C'est des larves? C'est dégueulasse. Ah ouais, c'est carrément dégueulasse. J'ai horreur des larves. J'ai horreur de ça. Ça y est, tout ce qui est asticots, larves et tout. Oh, je trouve ça juste dégueulasse. Regardez. Ah, c'est crade. Qu'est-ce que je déteste ça. Ce mouvement dégueu là. Bac. Ah, j'ai une profonde horreur de ça. Il y a des gens, c'est les araignées. Moi, c'est plus ça quand même. Ça me... Alors, rien que les voir là, ça me dégoûte. Allez. On récupère ce qu'il faut. Je sais pas vraiment ce qu'il faut qu'on fasse ici. On doit tuer des soldats, je crois. Attendez, éliminer les grouillants. Ah, je dois les éliminer, ces machins-là. Ah bah, on va les éliminer, alors. Ah oui! Ah d'accord, ok. Sympathique. Allez, hop. Dégage. Dégage. Je sais pas si ça rapporte de la thune, ça, les machins, mais... On va voir. Encore un soldat. Voilà. Il y en a un peu beaucoup. Tuer la reine. Oh, bah, c'est bien. C'est bien, on s'y dirige. On va tuer la reine. C'est parfait.
envie de vous dire, c'est... Ouf, il y en a un peu beaucoup, là. Attention. Dégage. Mais on va faire comme ça, parce que là, on n'a pas vraiment le choix à faire de l'AOE à fond. Ça va finir par tomber, et heureusement, ils n'ont pas beaucoup de vie. Voilà. Combien ça vaut, ça? Ah, il y a 4 pièces d'or, quand même. Hein. Par glande, donc avec tout ce que je ramasse. Hein. On va être riche à la fin de ce truc-là. Quoique je suis déjà riche grâce au don de mon très cher abonné, ça fait super plaisir en tout cas. Ouvrier grouillant. Ouais, les grouillants, c'est genre tu lui remets une flèche, ils sont morts. Quoi. Bon, les soldats un peu plus. Et là-bas, il y a un artefact. Et on va aller le chercher du coup. Bon, il y a deux soldats autour, mais il y a quand même un artefact. On va pas laisser un artefact traîner comme ça. Ça serait tellement dommage. Voilà, hop. Voilà, il est là. On l'ajoute tout de suite à la collection. Parfait. Oh, un deuxième! Oula, il n'y a pas souvent du monde qui passe par ici, j'ai l'impression. Tant mieux. Quelque part, tant mieux. Moi, ah ouais, ça me remplit les poches d'artefacts, c'est génial. Ok, saucisse de serpent. C'est très bizarre comme artefact, mais pourquoi pas. Grouillant, grouillant, il n'y a que ça. Regardez tout ce qu'il y a, quoi. Voilà, 17. 18. Ah mais non, copain. 19. 20. 21. 22. 23. Ah, il y a la reine. C'est bien, hein. Franchement, une petite série de quêtes comme ça dans un... Dans une fourmilière, c'est sympa. 24. Allez, la reine. Voilà. Ouais, ça va, la reine n'était pas spécialement compliquée. Là, il y a plein de grouillants, donc on va faire une petite AOE des familles. Cling, 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 cling. 29, parfait. Et là, on accepte. Amener des ouvriers et des soldats à la reine déchue. Ouais. Et là, il y a un artefact. Encore un. Oh, mais tout ce qu'il y a ici. Oh, incroyable. Ah, j'ai déjà. Dommage. Ah, dommage. Tant pis, je la jette. Ok. Il me suit, nickel. Et je dois ramener ça où? Ici, non? Ouais, 1 sur 8. Ok, je vois. Il faut des ouvriers et des soldats. Donc là, c'est un grouillant, on s'en fout. Grouillant, grouillant, grouillant. Attendez, on va trouver ce qu'il faut. Ouvriers. Soldat, ok, soldat. Tac. Ouvrier. Tac. Soldat. Ok. Vous êtes trop loin. Voilà. Là, il y a un autre ouvrier. On va en récupérer plusieurs d'un coup, hein, ça nous évitera de... En plus, j'en ai plein, là. On va aller chercher le soldat dans le fond. Salut, copain! Tu veux aller voir la reine déchue? Allez, viens. On est bien. Youhou! Bande de fourmis! Wouhou!
C'est rigolo ça. Vous voyez des petites quêtes comme ça, j'aime bien. Ça change un peu, ça rafraîchit un petit peu, puis ça évite qu'on tombe dans le... Oh là là, vite, faut tuer plein de gens, faut tuer plein de trucs. Ça c'est un peu chiant à la fin. Là vraiment, non, on est dans une petite quête un peu fraîche, ou alors on est transformé en fourmis, on doit les ramener. Oh, ça je trouve ça sympa. Allez, clac, clac, clac. 7 sur 8. Ah, il m'en manque un. Enfin, une. Allez, un petit ouvrier qui traîne. Grouillant. Ouvrier, parfait. Viens, toi. Tu vas me compléter ma quête. C'est juste parfait, là. Nickel. Allez, let's go. Et 8 sur 8, parfait. Très très bien. Terminé. Voilà, quête accomplie. Et il nous reste donc encore à tuer des grouillants. Ah oui, d'accord, on pouvait juste faire ça, quoi. Ça m'apprendra à pas regarder ce que j'ai dans mes quêtes. Hein. Ouais, enfin, ça marche. Ah, si, ça marche. Ça marche bien quand même. Hop. Elles vont mourir. Ah. Il y en a deux qui ont résisté un petit peu plus longtemps. Félicitations à elle. À elle. À elle, pardon. Allez, allez. Et ça meurt, et ça meurt, et ça meurt. Voilà. Voilà, 46. Oh, allez. 47. Non, ça c'est un ouvrier, ouvrier. Voilà, 49. Il y a les ouvriers partout. Grouillant du mordant. Là. J'en ai deux. Hop, parfait. C'est très bien. Allez, 50 sur 50. C'est bon. Je pense qu'on en a terminé. Ah, j'avais un truc à activer là-bas. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. On va aller voir ça. Collecter, machin. Ah oui, oula, je suis plus en fourmi. Je ne suis plus en fourmi. Donc va falloir gérer le truc comme il faut. Tac. Parfait. Voilà. Et bah c'est bon ça. On va pouvoir ressortir de là et compléter toutes nos quêtes. Bah, franchement, si ce n'est pas une issue heureuse, je ne m'y connais pas. Allez, dégage. Parce que t'es vilaine. Le soldat du mordant, hein, de mordant, dégueulasse. Ah, le pire, c'est quand même les larves. Hein. Je trouve ça absolument dégueulasse. Il y en a partout, partout, partout. C'est point agréable. Voilà. Allez, va-t'en. Vis le grelin. Et voilà. Allez, hop. Attaque, pépère. Attaque, mon grand, attaque. Ok. Le soldat. What? What is the bug? Ok, ça c'est bon. On va aller donc porter nos quêtes. Vu qu'on en a terminé avec ça. Hop. C'est bon, c'est tout droit. Parfait. Mais écoutez, franchement là, pas mal. Pas mal cette petite série de quêtes dans la fourmilière, j'ai bien aimé.
C'était plutôt cool, une petite ambiance sympa. Ça change un peu. C'est rafraîchissant. N'est-ce pas? Ah! Oula, ouais, ça, on va récolter quand même ça. Parce que ça m'a l'air assez. J'en ai jamais trop vu. Donc, autant en récupérer un peu. C'est pas plus mal. Allez, let's go. On va aller rendre les quêtes. Pif paf pouf. Ni vu ni connu. Je termine tout ça. Voilà, le prix de la reine. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Rien. Que de la merde. Bah écoutez, on va prendre un truc à 8-17. Voilà, terminé. Eh, pas mal. Génocide. Hop. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse là? Tuer les anathèmes, tuer les saccageurs, tuer les tueurs. Ok, et c'est où? C'est là-bas, évidemment. Je pouvais pas me la donner avant celle-ci, non? Bah non, évidemment. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Alors, ok, bon bah c'est tout droit. Allons-y. Allons-y gaiement. Mais donc après cette quête-là, bah on se quittera là-dessus. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà. Allez. C'est là-dedans, visiblement. Ouais, ça a l'air d'être ici. Alors par contre, je vois pas encore. Ah, ça doit être ça. Non, sniper. Ah ouais, c'est ça. Saccageur. Allez. On va tuer ça. Combien il en faut? 4 saccageurs, 5 anathèmes et 4 tueurs. C'est bon. Le compte est bon. Un tueur. Ça va aller vite. Il tombe assez facilement. C'est pas des gros bourrins. Ça devrait le faire. Voilà. Bah, anathème, parfait. Il est là. C'est très bien. On va se le faire tout de suite. Allez, voilà, 1 sur 5. Encore un tueur. Oula, oula. Ouais, j'ai l'impression que mon pet est un peu dans une situation compliquée. Ah non, ça va. Je l'ai fait tout seul en fait. Voilà, 2. Sniper, je dois pas les tuer, mais c'est pour le fun. Ça évitera qu'ils nous embêtent aussi. Oula, comment il a monté lui? Comment il a réussi à monter là? Je sais pas. Mais c'était marrant. Hop. Lui, on doit tuer, c'est un saccageur. Ça là-bas, on doit tuer aussi. Parfait, c'est un autre saccageur. Ah bah c'est bien, ils sont tous dans le coin en fait, ça va, il n'y a pas besoin de les chercher pendant une demi-heure, c'est plutôt cool. Allez, hop, 2. C'est très bien. C'est pas un artefact ça là-bas? Non, pas du tout. C'est juste une un reflet. Je suis obsédé par les artefacts, ça devient grave. Alors là, c'est quoi ça? Tueur, parfait ça. Allez, viens ici. Hop. Il était bien caché, mais pas assez bien pour moi. Allez, casse-toi de là. Fallait pas te cacher. Ok. Ça, c'est... Ah. Oh là là, la vue qui part en cacahuète là. Pénible. Non, après, c'est les fourmis. J'allais dire des araignées, mais non, c'est des fourmis. Un tueur, allez, hop. Il nous en manque plus qu'un en plus de tueur, donc c'est parfait, ce sera lui. Et pas un autre. On va compléter notre collection. Voilà, 4 sur 4. Très bien. Là, c'est nul. Ça, on a déjà complété. Monument, on s'en fout. Ah, voilà. Anathème, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Alors, quand on en trouve un, on y va direct. En plus, il en faut 5. Génial. Là, c'est un tueur. Oula, oula, oula. Il y a des tueurs partout. Ouh, j'aime pas ça. J'ai l'impression qu'il les a appelés en fait.
Pas terrible ça, pas terrible du tout. Méfiance. Ouais, ça sent pas très bon ça. Il y a un saccageur là-bas, il nous en manque un en plus. Ce serait parfait. Voilà. Il est là. Comme ça, on se fait le saccageur et puis c'est bon. On a fini les saccageurs avec. Il nous manquera donc 3 anathèmes. Ouais. C'est tout, c'est tout. Par contre, faut les trouver, les anathèmes. Il n'y en a pas des masses, hein. Je pense que ça va être ça le plus dur à trouver. Au final. Écoutez, on va sortir la monture. Dès qu'on en trouve un, on lui saute dessus comme des malades. Là, il n'y en a pas. Ah, anathème. Coucou. Parfait, parfait. Voilà, allez, dégage de là. Un pion, oh non, je m'en fous des pions. Allez, meurs. Donc il nous manque encore 2 anathèmes. Et après, on est bon avec cette quête-là et on pourra se quitter là-dessus. Ce qui est plutôt sympa. Que bah, c'est pas que c'est une quête complètement naze, mais presque. Ah, il y en a un là, l'anathème. Je l'ai grillé là, je l'ai vu avec sa jolie canne. Ouais, plutôt avec son bâton. Avec son bâton de mage. Allez, dégage. Voilà. Est-ce que les pions me rapportent de l'XP? Je pense même pas. Hein. Ouais, ça vaut le coup de les tuer du coup. Non. Anathème, donc encore un. Un petit anathème est demandé à l'accueil. Un petit anathème. Merci. Ah, il y en a un là. Ouf, j'ai aggro comme un porc. C'est pas bon. En plus, il est juste là. Notre anathème manquant. Si on sait le tuer, ce serait cool. Allez. Le tueur. Voilà. Voilà. Voilà comment ça se passe. Parfait. Le tueur, ça dégage. Bien. Bien, crade, bien. Comme ça, on n'a plus qu'à se faire le fameux anathème. Qui en plus nous attaque. Et donc, vilain pas beau. Comment tu te comportes avec Okrad? C'est pas bon ça. Je suis pas content de toi. Voilà, hop, dégage. Voilà, on a fini la quête. On va tuer le saccageur parce que j'aime pas, il est là, il me regarde. J'aime pas ça. Hop. On sort la monture. De toute façon, il va mourir, voilà. Et on se barre. On se barre d'ici. Mais alors, carrément, quasiment, carrément. Et on rend cette quête-là, et on a fini notre épisode. Et ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Vous voyez, on a encore bien avancé. Allez, dégagez. Laissez-moi tranquille. Voilà. Bon, quelque chose me dit que je vais devoir revenir dans le camp incessamment sous peu. Hein. Ça, je vais pas vous le cacher. Il y a de grandes chances, quoi. Allez, par là. Nickel. Nickel Chrome. C'est très bien. Allez. C'est de là-bas. Ouais, c'est là-bas. Attendez. Ouais, c'est bien là. Comme ça. Hop. On termine la quête. Ah, il y a encore une nouvelle quête. Génial. Il y en a plus, il y en a encore. Ça n'avait pas me la donner tout à l'heure. Non, 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 non. Ah bah tiens. Charger la sphère d'âme. Ah bah tiens, comme c'est étrange.
Récupérer les trésors Eth. Oh bah tiens, comme c'est bizarre. Je l'avais dit. Voilà. Eh bien, écoutez, cela dit, on va se quitter là-dessus. Clac, clac. Eh bien, les amis, je vais donc vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça m'encourage à continuer. Ciao, ciao, et à la prochaine.